Il était une fois 8 Marseillais partis à la conquête des États-Unis. Ensemble, ils posent leurs valises à Miami. Ils sont barman, DJ, serveur ou encore danseur. Le monde de la nuit, c'est leur domaine. Ils aiment aussi séduire. Je suis un charreau, il y en a assez. Voilà, j'aime plaire et c'est tout. Vous allez découvrir Julien, le barman dragueur fou. Très tchatcheur. Il n'y a que des belles filles ici. Paloma, la danseuse prête à tout pour séduire. Jordan, le beau gosse au cœur d'artichaut. J'ai un cœur d'artichaut quoi, voilà. Elodie, la comédienne au sale caractère. Je vous emmerde tous un par un. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Sissika, le chanteur complètement déjanté. La famille, on s'amuse ou quoi là? Anthony, le beau mec qui prend le mec. Comme on dit à Marseille, ben, je chill quoi. Laurie, la jeune femme sexy qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Franchement, c'est les rois de la cagole quoi. Et enfin, Thibaut, le DJ de Marseille qui enflamme les boîtes de nuit. Faut que je mette le feu, sinon ça va pas. Avec leur franc-parler légendaire, plein. Il y en a assez, fraté. J'avoue, ça veut rien dire. Les Marseillais vont devoir travailler et réussir leur job. Il faut réussir. Oh, merde. Je crois que j'ai fait carnage. Oh mince. Oh là là. Ce job n'est vraiment pas fait pour moi. Et la cohabitation ne sera pas toujours facile. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Allez. Allez, vas-y, casse-toi. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Et l'amour sera aussi avec eux. Ben, l'amour est là. Ben, on s'est embrassé, quoi. Mais aussi leur humour complètement dérangé. Youpi. Et voilà. Tada. Putain. La 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 la. Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires. 1, 2, 3. Ça va peut-être faire des jaloux, mais c'est pas grave. Je suis officiellement en couple avec Laurie. Tu dragues, t'es sérieux ou quoi? Et alors, ça veut dire quoi ça? Mais je drague alors, je fais ce que je veux. Oh, t'es ma meuf, t'es pris pour ma mère et quoi? T'es pas ma mère, ce qui me semble. Et alors, ça veut dire quoi? Depuis des jours, tu me tournes autour, depuis des jours, on se rapproche à la maison. Et là, ça y est, une soirée, tu dragues. Bah, bon, bah, fallait pas te réconcilier avec la pute de Laurie. Ah, t'es encore à ça, t'es encore à ça. D'accord, d'accord, très bien. Bah, tu sais quoi? Moi, je fais ce que je veux, je me réconcilie avec qui je veux, d'accord? C'est sûrement pas toi qui va m'interdire de faire quelque chose ici, je te le dis. C'est bon? Alors, tu sais quoi? Quand tu seras décidé à arrêter de faire le con, tu viendras me parler. Il a pas de respect, clairement, il respecte rien, il respecte même pas moi, non, franchement. Oui, exactement, parce que c'est la vérité. Ben, je suis désolé, voilà, je m'excuse. Ouais, c'est ça. Bon,
C'est quoi, je vais aller me coucher parce que on verra demain. Hein. Oh, en tout cas, j'accepte tes excuses, mais il va quand même me falloir du temps pour redescendre, c'est bon? Ok. Allô? Oui, bonjour. Alors, Elodie, je t'ai pris rendez-vous avec un producteur de cinéma. Tu as passé un casting. Mais non! Je suis trop content. Je vais passer un casting en plus. C'est ce que je voulais faire, donc sérieux, je suis trop contente. D'accord. Il faut que je rentre. Ok. Il faut que je rentre en France. Je vais devoir l'annoncer aux autres et franchement, je sais pas comment je vais faire. J'ai reçu un appel de France et donc je dois rentrer en France en fait, donc je dois l'annoncer aux autres, je sais pas comment ils vont le prendre, j'espère bien, j'attends qu'ils se réveillent là un peu tous et je vais leur en parler, mais ouais ça va être compliqué même de partir quoi parce que j'étais bien ici, j'étais assez attaché. Les gars, est-ce qu'on peut se réunir tous sur le canapé, s'il vous plaît? Ah bon? Ouais, s'il vous plaît, c'est important. D'accord. Sissika nous réunit tous sur le canapé. D'accord. Donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il va nous annoncer quelque chose? Il est amoureux de quelqu'un? Il va partir? Il fait quoi, Sissika? Là, on comprend pas trop. Donc on attend qu'il nous explique. Pourquoi tu nous réunis sur le canapé, Sissika? Asseyez-vous, je vais parler, je vais parler. On t'écoute, Sissika. Bon, c'est bon, tout le monde est là. Vas-y. Alors voilà, j'ai reçu un appel de France. Et donc je dois partir. Je dois rentrer en France. Quoi? C'est pas possible! Si, et là, c'est. Ben, je suis déçu, ça m'attriste parce que j'étais bien ici avec vous et ouais. Mais il faut que je dois rentrer, voilà, c'est. Je suis obligé. D'accord. Donc, je pars demain matin, c'est ma dernière journée avec vous, les gars, j'ai vraiment envie de profiter avec vous, s'il vous plaît. Je pars quand? Demain matin, ouais. D'accord. Sissika s'en va. What? On est tous choqués, on est sous le choc, on se dit mais pourquoi elle s'en va? On comprend pas trop ce qui se passe. Apparemment elle aurait reçu un appel qui le pousse à partir. Donc ça nous attriste beaucoup, on est choqués car on aimait bien ici, il est super gentil avec tout le monde, il est cool, il est rigolo et sa bonne humeur va nous manquer quoi. Donc bon je me dis what? Je suis choqué, mais en même temps, si c'est pour le travail, je peux comprendre. Je comprends pas, t'as reçu un appel? Ouais, enfin, c'est pour le travail, enfin, je suis obligé, quoi. Je dois rentrer en France, voilà. D'accord. Et oui, je pars demain, donc c'est ma dernière journée avec vous, il faut que je profite à fond. Oh non, Sika, tu sais que tu vas trop nous manquer, hein. Ah ouais, vraiment? Ah bah oui, hein. Bah, ça me fait plaisir, alors. Ils sont tous pas bien pour moi, ils sont tous choqués et voilà, je n'ai pas le choix, je dois partir, je dois rentrer en fait, je dois rentrer en France. Donc il faut que je profite à fond aujourd'hui, la famille c'est comment? Ici c'est Miami, il faut s'amuser ou quoi là? Depuis le début de l'aventure on n'a pas fait grand chose, j'ai prévu quelques petites surprises pour eux aujourd'hui et la famille on va s'amuser, c'est mon dernier jour, tranquille ou quoi? C'est Miami Beach, baby. Donc voilà. Voilà, merci de votre attention. Merci de m'avoir écouté. Et puis voilà. Mais tu plaisantes, c'est normal. On espère te revoir vite, Sissika. Très vite. Moi aussi, j'espère vous revoir vite. Tu veux bien m'accompagner? Ben avec plaisir.
Tu veux que je t'accompagne? Ouais. Ben, écoute, ouais, avec plaisir. Parfait, je vais demander à Paloma aussi. Paloma? Ouais. Ah bah tiens, elle est là. Paloma, ça va? Ça va et toi, Elodie? Oui, ça te dirait de m'accompagner à mon casting? Ben écoute, ça te dérange pas? Ben non, puisque je te propose. Ben écoute, avec plaisir. Avec plaisir, vraiment, ouais. Bon, ben écoute, on va se préparer alors. Ouais, parce qu'il faut y aller bientôt. Ok, ça me va, ça marche. Aujourd'hui, j'ai un casting, je suis trop contente. Mon premier casting américain, donc enfin, je vais rencontrer un producteur, je suis trop contente. Je demande à Thibaut de m'accompagner. Ce sera aussi l'occasion pour nous de parler, puis ben de se réconcilier. Elodie me demande de l'accompagner à son casting. Donc, je comprends pas trop. Je me dis mais je comprends pas. Et Elodie et moi, on n'est pas trop potes. Enfin, qu'elle demande à Thibaut, je comprends parce que voilà, ils sont en crush. Hein, tous les deux, donc qu'elle me demande à moi, je comprends pas trop parce qu'on n'est pas très proche, on n'est pas proche du tout, même elle et moi. Mais après, peut-être qu'elle veut faire des efforts pour essayer de s'intégrer plus, je sais pas. Car j'accepte et c'est avec plaisir. Allez, on y va. À plus tard, les gars. Allez, vas-y, bon courage, Jolie. Ouais, merci. Ça va, ma chérie? Ben écoute, ben ouais, mais enfin, je suis dégoûtée que Sissika il s'en va. Ben ouais, mais après, c'est pour le travail, quoi. Tu vois, il peut pas. Je pense qu'il peut pas faire autrement, sinon on serait resté, tu vois. Ben oui. Enfin bref, on parle plus que ça, hein. On parle d'autre chose maintenant, on est tous les deux tranquilles. Alors, t'es bien avec moi? Est-ce que t'es bien en couple avec moi, je veux dire, Laurie? Ben oui, après. Tu m'aimes? Oui, je t'aime bien, je t'aime beaucoup. Ah, seulement beaucoup? Ben écoute, c'est encore trop tôt pour dire que je suis amoureuse. Ouais, mais je comprends, moi pareil. C'est encore un peu trop tôt pour dire que je suis amoureux de toi. Mais je t'aime bien, quoi, je t'aime bien. Eh ben écoute, si on s'aime bien, c'est bien. Mais tu vois, on est peut-être pas assez proche, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ben écoute, ouais. Ben, je vois ce que vous voulez dire, mais bon, enfin, voilà, je vois. Mais bon, faut qu'on laisse. Ça arrive pas trop, tu vois, je suis pas tactile, moi, tu vois ce que je veux te dire? Je vois, mais bon, faut essayer. On discute un petit peu avec Laurie sur le canapé. Hein. Et donc, on parle, voilà, de tout, de rien et tout. Et c'est vrai qu'on n'est pas assez, on n'est pas trop tactile, elle et moi. On n'est pas assez tactile l'un comme l'autre. Donc je me dis, il faut qu'on essaie de faire des efforts. Elle est d'accord, donc on va faire des efforts pour pouvoir essayer d'intégrer notre couple. Et après, peut-être que ça ira beaucoup mieux. En tout cas, je l'espère de tout mon cœur. Anthony et moi, c'est vrai qu'on n'est pas tactile, on se fait pas trop des bisous, des câlins, on se demande si ça va régulièrement, mais c'est de l'attention quand même. Mais bon, on aimerait plus. Mais après, c'est vrai que moi, je suis pas très trop tactile. J'ai beaucoup souffert en amour et je me dis, il faut que je, peut-être que bon, qu'on essaie de, voilà, de se rapprocher encore plus un maximum. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi, voilà, en amont j'ai souffert et bon, on va essayer, quoi. Anthony, je l'aime bien et je serais dégoûté de le perdre maintenant, quoi. Allez, t'inquiète, ça va aller, va. Mais oui. Et si on allait faire une activité bateau avant mon départ? Je vous propose d'aller faire du bateau. Ouais, trop bien. Eh oui, c'est tellement trop bien, en fait, que on va aller faire du bateau. Allez, youpi, on y va. J'espère que vous êtes prêts, hein, parce que franchement, ça va déchirer. Eh ben, écoute, avec plaisir. Ouais, on va prendre nos maillots, tout ça. Allez-y. Sissika nous propose d'aller faire une activité bateau, donc on accepte, voilà, c'est sa dernière journée ici avec nous, donc on accepte volontiers avec plaisir d'aller faire du bateau avec lui en plus, donc ça tombe bien, puisque Sissika on l'aime beaucoup, on est dégoûté qu'il parte et
Ouais, pour sa dernière journée, on va lui faire honneur. Je propose à tout le monde d'aller faire du bateau. J'ai vraiment envie de profiter. Donc, une fois qu'on est tous prêts, on part tous. Voilà, c'est ma dernière journée à Miami. Donc, j'ai vraiment envie de profiter un maximum. Et j'espère qu'ils en feront longtemps. Et voilà. Donc, une fois qu'on est tous prêts, on part direction le bateau. Hi, hello. Oh ben oui, mais je parle pas anglais. Oh, c'est embêtant. I'm sorry in the shape of French. Hello. Hi. Bonjour. Bonjour. What's your name? My name is Elodie. My name is Thibaut. My name is Paloma. Nice to meet you. Alors, you and Elodie? Yes. Perfect. Alors, vous pouvez... I'm the command? Yes. Putain, mais je comprends rien. Donc, on arrive au casting, avec les gens avec qui j'ai rendez-vous. Donc, il y a deux personnes, une fille et un garçon. Je pense que ça doit être les directeurs de casting. Et bon, ils ont l'air assez stricts au premier abord. Après, faut pas jouer sans connaître, ce que j'ai d'ailleurs compris ici. Donc, on va essayer. Après, je parle pas du tout anglais, donc du coup, je comprends rien ce qu'ils me disent. Donc, heureusement que j'ai Thibaut pour traduire. Bon, écoutez, je parle un petit peu français. Je vais pouvoir vous aider. Ah, parfait. Thank you very much. Je vous en prie, y a pas de quoi. Donc, du coup, est-ce que tu pourrais me faire un petit défilé, genre, tu remarches, genre, comme ça, monsieur? Yes, perfect. D'accord, bon. Je vous promets rien, mais je vais essayer, monsieur. Très bien. I'm in the defiling? Yes. Sorry, the French, no, the French. Vous êtes de France? Yes, on vient de Marseille. Marseille, ah, je suis déjà allé à Marseille, c'est une très belle ville. Et oui, c'est vrai que c'est beau, oui. Allez, Elodie, courage, vas-y. Elodie, je la sens stressée, je la sens pas bien. Donc, on se doit de l'encourager, on se doit de l'aider, donc, j'espère... Elle va y arriver, elle va tout déchirer. Ah, le bateau. Ah, si on fait toutes les après-midi comme ça, faut que tu restes ici, hein, Cécilia. Hein. Si tu pouvais partir tous les jours pour qu'on ait des activités, je rigole, hein. Mais oui, mais je ne peux pas, hélas. Et vous inquiétez pas, ce sera pas tout. On arrive donc à l'activité bateau. Que Cécilia nous a réservé, donc, on est tous contents, on est tous très heureux, et Cécilia, il va beaucoup nous manquer, ça nous attriste beaucoup son départ, voilà, mais bon, c'est comme ça, et il faut l'accepter, c'est pas grave, mais au moins aujourd'hui on profite avec lui. Je vais tomber, ah, ouh, c'est bon, perfect. Alors, hein, vous êtes content d'être ici? Ah oui, mais trop, c'est génial le bateau. Allez, on s'ambiance, on fait la fête là, allez. Youpi! Allez, moi aussi je vais faire ça. Ouais, le toboggan. Oui! Blablabla. Allez, moi aussi, ouais. Youpi! On s'amuse, on s'ambiance, on rigole, on fait la fête. Hein. Et franchement, merci Cécilia. Cette journée, elle est géniale. Cette activité bateau est extra. J'adore. Ah, c'est beau quand même, hein? Ouais. Youpi. La Jordan, viens, on t'attend. J'arrive. Ouais, po. Ah, j'adore, c'est génial. Bon, allez, on y va. C'est fini. Eh oui,
Youpia, c'était génial, j'ai adoré. Allez, on rentre. Donc cette sortie a été bien, elle était cool, on a adoré, mais maintenant il faut rentrer parce que c'est pas fini, j'ai d'autres choses de prévues pour eux. Allez, on y va, on rentre à la maison. Ah, c'était trop bien. Franchement, merci Sissika, hein. Mais de rien. On rentre à la maison, voilà, franchement, on a adoré cette journée bateau, cette sortie bateau, elle était géniale, elle était extraordinaire. Donc franchement, merci Sissika, on a adoré et franchement, merci Sissika pour le coup, t'as géré mon pote. Moi. Ok, alors quand tu défiles, il faudrait que tu marches plus droite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, genre excusez-moi, genre comme ça? Yes, comme ceci, oui. Pas parce que quand tu défiles, tu te tournes dans tous les sens, tu fais ça? Non, pas ça. On veut pas, nous on veut. Ok. Comme ça. Oui, c'est beaucoup mieux. Perfect. Bravo. Ok. Bon. On va te faire réciter une phrase. Mais en anglais? Yes. Oh. Bon, tu peux dire la phrase en français, mais il faut que tu mettes beaucoup d'action. D'accord? Très bien. D'accord. Ok. C'est-à-dire, par exemple, je vais te tuer. Dis-moi où est l'argent, sinon je te tue. Tu dois mettre de l'action. Dis-moi où est l'argent, sinon je te tue. Genre comme ça. D'accord. Dis-moi où est l'argent, sinon je te tue. Ouais, donne, on voit encore tout ce que t'as, t'envoies. J'espère que je vais pas merder sur ce coup-là. J'ai pas du tout envie de merder. Mais franchement, pas du tout. Donc, je suis très stressé, mais il faut que je me ressaisisse et j'ai pas le droit de stresser. J'espère que ça va bien se passer. Elodie, je la sens stressée. Voilà, je la sens très stressée, très tendue. Il faut qu'elle détende ses nerfs parce que sinon, ça n'ira jamais. Donc, du coup, j'espère que ça va aller. Et il faut vraiment qu'elle détende ses nerfs, quoi. Il faut détendre. Détends-toi. Tu es tout crispé. Il ne faut pas. Détendu, ok. Ah, la pression, punaise. Ok, alors. Perfect. Yes, encore. Perfect. En forme. Ok. Je vais te tuer. Donne-moi l'argent, sinon je t'arrache les yeux. Par exemple, oui, un truc d'action comme ça. Il faut vraiment que tu travailles ton anglais. Il faut que je travaille mon anglais. What the fuck, hein? Ok, bon. Eh ben, je pense que j'ai pas le choix. Ça va être compliqué. Pour ma dernière soirée, je vous veux tous en boîte de nuit. Hey, en boîte, en boîte, en boîte. Dernière soirée de Sissika, il faut profiter à fond. Hein. Ça m'a fait plaisir que tu me demandes de t'accompagner à ton casting. C'est vrai? Ouais. Ah. Et je suis désolé de t'avoir fait du mal, je m'excuse. Eh bah, il était temps. On repart sur de bonnes bases et tout va bien maintenant. C'était une très belle aventure. Vraiment. Et je les adore tous, ils sont tous géniaux. Géniaux. Allez, bisous à tous. où est-ce que je suis tombé? Don't forget me, baby.